Bien, nous sommes engagés ici au Tour de Corse 2024. C'est la 11e participation en ce qui me concerne, parce que j'avais démarré le Tour de Corse la première fois en 2014. Et cette année, effectivement, on a encore une fois changé de monture. Donc l'organisation m'a demandé cette année de venir avec cette Lancia 037 que j'ai la chance de posséder. Le Tour de Corse 2024 a mis à l'honneur cette année cette voiture, qui est assez rare, hein, parce qu'il y en a eu une petite trentaine de construites par l'usine, qui a gagné le Tour de Corse en 1984 avec Marco Allen. Donc c'est une voiture très délicate à conduire. En fait, pour les initiés, ça ressemble un peu à une F40 de rallye. Il y a 325 chevaux, donc la puissance avec le compresseur volumétrique arrive d'un coup, c'est les roues arrière. Et le train avant, ben, il ne supporte pas la puissance qui arrive d'un coup et le train avant décroche. Et si vous n'avez pas les roues droites, et ben, la voiture elle va tout droit. Voilà. Donc voiture délicate à conduire, mais la voiture est à l'honneur de l'affiche. Et puis pour célébrer la victoire de Marco Allen en 84, ça, c'était, je pense, sympa de répondre à l'appel de Marie-Ange Dini et de José Andréani, les organisateurs du Tour de Corse. Elle est dans un superbe état, elle est aux normes d'aujourd'hui, hein, puisque pour engager une voiture en course, il faut avoir un passeport technique historique. Et évidemment, je redoute la météo parce qu'on nous annonce, il a plu hier soir déjà, cette nuit, on le voit, il y a des flaques d'eau, et on nous annonce de la pluie demain déjà pour commencer. Donc autant dire que je me serais bien placé en plus de la pluie. Donc on sera prudent les premiers jours, le temps en tout cas déjà d'avoir les premières sensations avec cette voiture. Donc cette année, on a décidé de ne pas aller chercher la performance de 2021 et 2022 où on a fait 11e au général en VHC. Cette année, notre seul objectif, c'est d'arriver. Bon, avec Nicolas, ça va aller, ça part, c'est bien. Par contre, troisième participation, merci à Nicolas de m'y inviter à chaque fois. Troisième voiture, j'ai commencé avec la Stratos, j'ai continué avec la Porsche, et là je suis avec la Lancia, donc je ne peux pas m'habituer. Donc là, c'est assez compliqué. Non, j'ai assez confiance, Nicolas roule bien, j'ai pas peur. Donc faire un tour à la mer pendant le rallye, non, ça on va éviter. Hein, on va essayer d'aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on appelle les finishers. Pour l'instant, je suis assez confiant, donc les notes, on a pris les notes professionnelles cette année. On va regarder comment ça se passe avec le check-down. Puis écoutez, voilà, hein, qui va... Piano Vassano. Il va piano Vassano, voilà. Et on va ménager l'aventure. Voilà, on va ménager la monture quand même. Checkdown, typiquement, c'est une épreuve test à blanc pour prendre la voiture en main. On a droit à 3 passages. On n'en a fait que 2 parce qu'à la fin du premier, on avait la boîte bloquée en 3. Donc, on a pu rejoindre l'assistance et du coup, on est revenu sur Porto Vecchio au garage qui nous héberge. Et donc là, ils ont réglé, c'était tout bête, c'est la tringlerie de boîte qui s'était desserrée. On sait que c'est un point de fragilité sur les 037. Donc après avoir réparé ça, nous, on a profité pour déjeuner. Il était 14h passé déjà, 14h30. On a fait une deuxième séance d'essai au check-down et là ça s'est bien passé. Eric avait mis à jour les notes, il était pas mal dans le rythme. C'est quand même un plaisir de rouler avec cette voiture. Je vois là le public sur cette voiture, il s'agglutine dessus. Plein de gens viennent nous dire « Ah merci de rouler avec ce genre de voiture, c'est incroyable, qu'est-ce que ça fait plaisir de les revoir ». Parce que c'est encore une fois une voiture qui a vraiment marqué son époque, hein, entre 83 et 85. Cette voiture était la reine des rallyes. Le peuple corse qui est passionné de sport automobile, et c'est dans les gènes. Vous avez les paysages qui sont extraordinaires, les routes qui se prêtent à la course automobile et au rallye particulièrement, plus l'ambiance globalement avec tous les concurrents. Enfin, moi, je trouve cette course extraordinaire. Ouais. Et je pense que ça fait partie, avec le Tour Auto, je pense, des plus belles courses du monde, on peut le dire. Ouais. Peut-être pour moi la plus belle course du monde aujourd'hui, en tout cas.